Dieu à fond. Parce qu'on a quelque chose qui est là. Et il faut aller le chercher. Il ne faut pas avoir peur d'aller le chercher. Il faut aller le chercher. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation de votre journal, mais également de votre club, l'USO. Je suis Romain Magellan et j'ai l'honneur, le privilège d'être votre maître de cérémonie ce soir. Et quand on parle de rugby, souvent on parle de ces valeurs, ce gros mot qu'on use et dont on abuse. Voilà, tout ce qui convoque le vivre ensemble, la solidarité, l'esprit d'équipe, ces choses-là. Je le disais, pour en côtoyer pas mal de clubs, je trouve qu'assez peu célèbre et incarne aussi bien ces valeurs-là que le club de Monaco. Notre raison d'être, c'est être et durer. Et je crois que c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours à travers le travail qui est fait. C'est dommage que nous faisons cette soirée ce soir, parce qu'on vient de passer deux défaites à l'extérieur, avec deux contenus différents. Mais bon, maintenant, si on repart sur une série, on a fait une belle série de 10 matchs sans défaite, et j'espère que ça va revenir. T'as pas de rêve, elle rentre pas dedans, d'accord. Alors, c'est lui qui l'a dit, hein. Comment il va, mon Vincent? Mais toi là, ça te lâche pas. Il est timide. T'es tout rouge, mon loulou. Tu as fait des choses. Je t'aime d'abord. Tout se paye un jour, tout bon, c'est bon. Bon, Steve Alamba, avec vous, pour palmarès, ça sent très. Ici, on met tout en avant pour que ça soit un club humain voilà, qui fait tout pour que tous les joueurs soient là les uns pour les autres. Et c'est ce que j'aime ici. Et c'est pour ça que je suis très heureux de continuer l'aventure ici, de connaître ce genre de mecs qui ont parcouru les années. Comme vous disiez, j'ai connu tout, des hauts, des bas, surtout des beaux moments. Et j'espère qu'on va. On va les reconnaître jusqu'à la fin de saison. Bon, merci, on l'applaudit encore une fois, s'il vous plaît. A trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire. Watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. En fait, ce soir, c'était un test de caractère. On trouve qu'on a plutôt passé ce test. La victoire, ok, mais c'est surtout l'attitude qu'on a montrée dès le début. Et la solidarité qu'on a montrée tous ensemble. Ce soir, on ne parle pas du Bayonne. Déjà, on essaie de se resserrer un peu entre nous parce qu'on a passé deux semaines un peu. Pas compliqué, mais bon, c'est pas facile quand. C'est pas facile de préparer une semaine quand tu perds, et du coup on essaye de se réunir un peu ce soir, on reste bon un coup et bien profiter de ce victoire. On voit l'entraide sur le terrain et ça fait une grande différence et donc on est content par rapport à ça. Après nous, c'est juste de jouer notre rugby du début jusqu'à la fin. Et notre rugby, on sait comment ça se passe. Toujours l'occupation, l'agressivité et tout, c'est pas que t'as 40 points d'avance et que tu vas tout lâcher, quoi.
On va à Bayonne sans pression, mais avec une grosse envie de montrer à l'extérieur. Parce que ce dernier match, on n'a pas montré notre vrai visage à l'extérieur. Donc encore une fois, on veut voir cet état d'esprit, tout simplement. Si on voit cet état d'esprit, à la fin, on va voir ce que ça donne. Mais ça, c'est le focus pour nous. Après, on est 6 jours avant Bayonne extérieur. Là, c'est un gros match aussi. Je pense qu'on est dans une bonne place maintenant. Après, on va aller à Bayonne jeudi soir.
Il est mis à l'envers, lui. Tu veux croire ça? De regarder dans le miroir et travailler, tout simplement. Il reste 6 matchs d'ici la fin de saison et il faut qu'on se mette au travail, tout simplement. C'est quand même une grosse désillusion, parce que vous êtes le second de la poule, vous avez des ambitions, et 35 points, c'est quand même une grosse déception. Je suis défendu, ouais.